Salut, salut les gars, c'est toujours moi, Sam Hospital, et vous êtes sur la chaîne de Monsieur le Russo 225. Voilà, donc, comme je vous avais dit, j'avais déjà fait cette vidéo-là, et je vous avais dit que j'allais essayer aussi de postuler pour vous, pour ceux qui veulent postuler, j'allais essayer comme ça de vous montrer comment ça se passe pour que vous puissiez au moins les postuler. Voilà, donc, j'ai un peu de temps et je vais comme ça essayer de vous montrer. Comme vous le voyez là, c'est la bourse du Portugal à l'université de Coimbra. Donc, ceux qui veulent postuler, je vous ai déjà dit, ça concerne la licence et puis le master. Donc, il y a assez de bourses sur cette plateforme-là. Voilà, donc ça sera à vous maintenant, lors du remplissage, de pouvoir choisir la bourse qui vous concerne en regardant, bien sûr, les critères de sélection. Donc, si vous avez les critères et que vous pensez que vous pouvez postuler à ces bourses-là, alors il n'y a pas de problème. Donc, je ne vais pas répondre encore parce que j'ai déjà fait ça dans la première vidéo. La première vidéo, vous allez dans le... Parmi mes vidéos, vous allez voir, vous allez voir la vidéo qui est là. Voilà, je l'ai déjà fait ici, donc vous pouvez essayer déjà de d'écouter cette vidéo là. Vous allez voir quels sont les éléments dont vous avez besoin pour pouvoir mieux postuler. Voilà, donc nous on va aller directement parce que je ne veux pas faire une vidéo qui est assez longue. Donc pour pouvoir postuler, vous allez venir ceux qui ont déjà commencé à postuler, ils viennent là, ils remplissent directement. Mais si vous êtes nouveau sur la plateforme, alors vous venez là comme ça sur Here, click here, vous allez cliquer là et vous allez d'abord aller vous enregistrer et ensuite chercher à postuler à la bourse. Voilà, donc si vous avez bien remarqué ici, par exemple comme ça, je mets en français comme ça, vous allez mieux comprendre. Donc si vous voyez bien ici, par exemple comme ça, il y a la bourse de licence et puis il y a la bourse de master. Donc je prends par exemple une bourse ici en article 5, bourse d'encouragement à la recherche, ça c'est pour le doctorant. Je viens par exemple ici, tableau de mérite étudiant international UC, vous comprenez, voilà, première année. Donc ça c'est pour ceux qui sont, qui viennent en première année, les meilleurs 5% d'étudiants internationaux inscrits et inscrits en première année pour la première fois, ils reçoivent ces bourses là, ou en master intégré se distinguent pour les intégrations de dans l'international student, c'est le mérite framework. Voilà, donc il y a ça et puis il y a aussi par exemple cette bourse là qui est un peu vers le haut là, je vais essayer de vérifier là, comme ça vous allez voir. Vous regardez les bourses, il y a plusieurs bourses, vous regardez les bourses et vous regardez les critères. Vous voyez, ça commence à partir de 1 ici jusqu'à, là ce sont les critères, de 1 jusqu'à ici 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. À partir de 11, il y a article 5 encore, ça c'est une autre bourse. Article 6, c'est une autre bourse. Donc moi je reviens ici par exemple, je prends par exemple l'article 4. Bourse extraordinaire d'étudiants supérieurs ou mérite. L'UEC attribue chaque année ses bourses de mérite extraordinaire pour les étudiants, pour les études supérieures aux étudiants internationaux qui correspondent aux exigences énoncées dans les numéros suivants. Donc, ici, les bourses extraordinaires de mérite des étudiants supérieurs sont destinées aux étudiants ayant le statut d'étudiant international. Voilà, ça veut dire que si vous voulez postuler, c'est... Quand on parle d'étudiants, un étudiant local, c'est un étudiant qui fréquente déjà là-bas. Mais quand on dit étudiant international, ce sont les étrangers qui veulent postuler pour aller étudier là-bas. Vous comprenez? Donc, ceux qui veulent postuler à temps plein et en premier cycle ou en master intégré et qui répondent aux exigences qui sont là. Donc, les exigences qui sont là, c'est quoi? Avoir rejoint l'UC par le biais d'un concours spécial pour les étudiants internationaux. Donc, vous devez faire votre admission pour pouvoir avoir... Une fois que vous faites l'admission et que vous avez l'admission, directement on vous propose la bourse. Ici, avoir le statut d'étudiant étranger, avoir le statut d'étudiant international au moment de l'inscription et l'inscription de l'année universitaire à laquelle la bourse se rapporte. Avoir une cote d'entrée égale ou supérieure à 180 points sans arrondi. Démontrer un besoin avéré de soutien financier pour poursuivre ses études. Ça, c'est une lettre de motivation, comprenez. Donc, vous voyez que c'est très important d'écrire une bonne lettre de motivation. Et à la suite aussi, vous pouvez lire, il y a plusieurs éléments. Ça, je l'ai déjà expliqué dans la première vidéo. Voilà. Donc, après ça, ce que nous allons faire pour pouvoir postuler, on va d'abord s'enregistrer sur leur site. Voilà, vous devez venir là, s'inscrire. Donc, vous cliquez sur s'inscrire et là, vous allez voir, vous mettez votre nom et prénom. Et à la suite de cela, vous allez mettre aussi votre email pour que vous recevez autorisé un président national CASA à vous informer par email et par d'autres notifications d'événements autres que ceux liés à la gazette électronique. Donc ici je vais
écrit mon nom et prénom. Je vais choisir des noms et prénoms comme ça. Ok, et mon email, c'est ce qui est important. Ça, c'est le mail que j'utilise pour les types de bourses. Donc, si vous voulez mieux postuler, voilà. Maintenant, ceux qui veulent qu'on les aide, vous pouvez aller dans la description. J'ai mis mes coordonnées là-bas. Vous pouvez me contacter une bourse pour qu'on puisse vous aider. Ok, donc autorisé, bon, on va faire le robot rapidement. Ok, et une fois qu'on finit, je vais cliquer sur proposer. Donc, je vérifie bien monde boost, ok, @gmail.com, proposer enregistrement. Donc, on va essayer de s'enregistrer. Votre inscription a réussi. Vous recevez un email de confirmation à monde.com. Donc, ce qu'on va faire, on va aller sur notre mail et puis de là-bas on va cliquer sur le lien pour rejoindre l'autre partie pour pouvoir commencer à postuler. Ok, donc je vais comme ça dans mon mail et si j'ai reçu un mail, vous allez le voir, vous voyez là, j'ai reçu un mail là, nouveau, j'ai reçu un mail. Donc je vais cliquer dessus, voilà. Et c'est le mail qu'elle a. Récent de portail, message tronqué. Afficher l'intégralité du message. J'essaie comme ça d'afficher le message. Ça, c'est le message qui m'a envoyé. Ok, donc si je clique là directement, vous allez voir que comme ça, je retourne directement sur mon site. Voilà. Et arrivé là-bas, je vais comme ça essayer, comme ça, je traduis en français. Et commencer à mettre le mot de passe et la confirmation du mot de passe. Le mot de passe doit contenir au moins une lettre majuscule, une lettre minuscule, un chiffre et un symbole, plus de 10 lettres. Il ne peut pas contenir deux symboles ou plus à la suite et votre nom ou email. Donc, dans ce que vous allez choisir, il ne doit pas avoir votre nom ou bien votre prénom, voilà. Et il doit pas avoir aussi votre email. Donc ce que vous devez faire, une lettre majuscule, une lettre minuscule, des chiffres, un chiffre, un symbole, voilà, un symbole spécial, et puis plus de 10 lettres, voilà, plus de 10 lettres. Donc il ne peut pas contenir deux symboles. Donc ça veut dire que si vous prenez arrobas ou bien arrobas, voilà, vous ne pouvez pas prendre arrobas et arrobas. Donc moi, pour ne pas me fatiguer, je vais essayer d'utiliser le mot de passe qu'elle a pour pouvoir continuer. Comme ils m'ont proposé un mot de passe ici, je vais l'utiliser rapidement. Donc je l'utilise, voilà. Et puis ça, c'est pour que ça puisse aller, la vidéo puisse aller plus vite. Maintenant, si vous voulez changer le mot de passe, ça, ça n'engage que vous, vous pouvez le changer, mais vous devez respecter les conditions qui sont déjà là. Ok, donc je vais sauvegarder. Donc si vous avez bien remarqué, dans un premier temps, le message qu'ils envoient, le message est caché. Vous allez cliquer sur le mail pour pouvoir sortir là. Ils ont dit quoi? Le mot de passe ne peut pas contenir deux caractères identiques à la suite. Ok, donc si ça ne peut pas contenir, alors moi-même je vais créer mon mot de passe. Deux caractères identiques à la suite. Le mot de passe ne peut pas avoir deux caractères identiques à la suite. Ok, donc si vous regardez bien ici, les deux caractères qui sont à la suite, qui sont identiques, je vois que c'est quoi? C'est P et P. Il y a deux fois P. Donc, je vais changer un P. Je vais mettre comme ça. Ah. Je vais mettre comme ça. @. Ok. Donc, ça, je vais essayer de copier. S'ils acceptent que je copie et je colle dans la seconde partie. Voilà. Donc, je mets là et puis je sauvegarde. Donc vous voyez, mot de passe, votre inscription a été confirmée et le processus d'inscription est terminé. Vous pouvez maintenant accéder au portail en remplissant votre adresse email et votre mot de passe. Donc directement, vous attendez un peu, quelques temps, vous allez voir que lui-même il va se rediriger sur la plateforme pour que vous puissiez aller chercher à postuler. Voilà, parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont écrit et j'ai compris qu'il y avait plusieurs éléments que les gens ne maîtrisaient pas. C'est pourquoi j'ai essayé de faire cette vidéo là un peu plus rapidement.
Ok, donc maintenant je vais aller sur ma plateforme pour pouvoir chercher comme ça à me connecter et chercher à postuler. Voilà, donc j'espère que vous comprenez. Donc pour cela, vous venez là dans connexion. Voilà, ici. Vous venez dans connexion et vous essayez d'insérer vos éléments là. Donc moi, si je mets par exemple mon courriel, le mot de passe est déjà enregistré ici. Donc je mets par exemple mon courriel là. Je vais mettre le courriel ici. Ok, je vérifie rapidement. Oui, c'est bon. Voilà. Ceux qui vont oublier le mot de passe, vous pouvez récupérer le mot de passe ici. Donc, je considère que c'est déjà bon. Non, je vais essayer d'accéder pour voir ce que ça donne. Vous voyez, authentification réussie. Et là maintenant, je peux faire un save de mon contact. Et à partir de là maintenant, je vais essayer d'aller chercher à faire quoi? À postuler à la bourse. Voilà. Donc, tout à l'heure, je vais faire une vidéo qui suit. Comme ça, vous allez comprendre. Ça, c'est pour ceux qui déjà m'ont poser ces questions-là pour que vous puissiez au moins postuler et essayer de d'avoir une admission et aussi à la bourse. Donc, à tout à l'heure, les gars.